J'ai 17 de mes amis, amis, cousins et cousines, famille, qui se sont enlevés la vie. Dans ma vie, il y en a 17. Je parle pas de mortalité, je parle de suicide. Puis là-dessus, j'en ai décroché 4. J'en ai trouvé 2 avec une balle dans la tête. Quand je dis trouvé, c'est pas moi qui les ai trouvés, mais il y avait quelqu'un qui m'a appelé pour dire, faut que tu viennes à la maison, il se passe de quoi. C'était des amis, c'était des frères, c'était des connes. C'était des Amérindiens, c'était des Innus, c'était des gens qui souffraient. Puis malheureusement, ben, à un moment donné, t'es plus capable d'endurer, puis c'est la seule solution, tu sais, qui te vient. Puis je vais te dire de quoi, là. Dans plusieurs communautés, c'est la plus belle pyramide du désespoir qu'il n'y a pas. Les enfants attendent après le parent attend après le directeur attend après le conseiller après. Ah, ben, il faut attendre la décision du chef, des délégués. Là, le chef délégué dit, ben là, il faut que j'attende la décision de mon grand chef. Le grand chef, ah, il faut que ça soit une consultation pour la communauté. Mais là, la communauté attend, on attend réponse fédérale. Puis là, la fédérale dit, ben non, il faut attendre le provincial, le provincial. Ben non, il faut attendre la décision de la Cour suprême. Ben non, il faut attendre la Cour supérieure. Tout le monde attend après tout le monde. Pendant ce temps-là, sacrement, nos enfants, ils meurent dans les rues puis ils s'emmerdent. Alors arrêtez d'attendre. Le plus petit peuple du monde sera toujours plus fort que le plus gros des gouvernements. Mais c'est à toi de faire pour t'en sortir. Arrête d'attendre. Merde. Go, fonce.